Et yo les amis, joyeux Noël à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ce soir vous allez faire la fête, vous réconcilier avec votre famille si vous avez des brouilles avec vos amis et tout. Car aujourd'hui c'est Noël. Aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale où je vais décider de vous présenter un petit peu le menu tout simplement de ce soir, enfin mon menu. Comme ça, ça vous permettra de découvrir un petit peu l'arrière du décor, parce que vous voyez toujours la gaming room et tout ça, enfin du moins une partie de la gaming room. Ici, ça vous permettra de voir un petit peu ma cuisine, ainsi que mon petit coin salon, mais il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui l'ont vu. Donc, tout simplement, j'ai décidé de faire cette petite vidéo-là. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous dis à tout de suite après le générique et générique spécial de Noël. C'est parti, let's go. Les poteaux, donc regardez comment se faire un bon petit Noël chez Bikeel. Et ben c'est très simple les amis. Première chose, une petite quiche en entrée. Alors, regardez moi ça. Bon, ici elle n'est pas encore cuite. Donc on va aller se cuire ça tranquillement. Ensuite, je vais vous montrer le plat principal. Regardez-moi ça, cette magnifique pièce. Bon, bien sûr, c'est pas que pour Noël, hein, ce sera Noël et Nouvel An. Donc c'est un rôti fourré. Voilà, regardez-moi cette pièce. Un bon petit rôti fourré, foie gras et tout, enfin tout ce qui va bien quoi. Donc ça, c'est le plat principal. Au niveau du dessert, ce sera tout simplement deux petits gâteaux congelés au Grand Marnier. Donc un truc vraiment exceptionnel. Et pour accompagner tout ça, un bon petit coup de vin blanc. Voilà, donc ici c'est le pavillon de la Cathy 2016. Un très 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 bon vin blanc, vraiment bien sucré comme je les aime. Donc franchement, une bonne petite fête de Noël qui se prépare. Et s'ouvrir une petite bouteille. Et on va vous dire à quel point ce petit vin est magnifiquement bon. Regardez-moi ça. Sentez-moi ça, les amis. Sentez-moi ça. Bien sûr, buvez avec modération, et je vous dis santé. Elle est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. On se retrouve donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la petite quiche. La musique, les gars. Alors la musique, je vous prépare quelque chose. Regardez-moi ça. Donc comme je disais, le plus important, c'est la musique. Donc petite ambiance de Noël sous l'ampli, avec la petite platine qui est là, qui fait plaisir. D'ailleurs, début janvier, j'aurai la nouvelle. Donc il y aura un unboxing sur la nouvelle platine. Mais regardez ce que je vais m'écouter ce soir. Et après, je ferai bien sûr un petit live. Donc désolé, il fait peut-être un petit peu noir, vous ne voyez pas bien. Je vais vous le mettre là. La BO de Retour vers le futur 2. Que j'ai rentré il y a quelques jours. Et franchement, ça va être une pure tuerie les amis.
Donc petite ambiance de Noël bien sympa. Regardez la petite couverture de Noël. Et tout et tout. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour vous montrer la petite quiche une fois qu'elle sera cuite et tout. Et je vous dis à tout de suite. Et heureux les amis, regardez-moi cette beauté. Comme c'est beau. C'est bib. Comme dirait notre cher ami Tomahawk. C'est bib. Regardez-moi ça. Une magnifique petite entrée. Tranquille. Le temps que je vais déguster cette merveille, je vais mettre dans le four donc le petit rôti. Voilà, donc le petit rôti qui est juste ici. Comme vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'ail dessus. Alors de l'ail écrasé, c'est le meilleur. Hein. Franchement, vous prenez une gousse d'ail, vous l'épluchez et tout. Vous écrasez, vous enlevez le cœur de l'ail parce que c'est dégueulasse, hein. C'est indigeste. Mais l'ail écrasé, c'est ce qu'il donne, c'est ce qui donne le meilleur goût. Et nous allons mettre cette magnifique pièce au four. En direct live, les gars, regardez-moi ça. Hop. Dans le feu. Bon, ici, il va falloir que je redescende un petit peu la grille parce que c'est un petit peu haut. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, tout de suite. Et ben voilà, les amis. On est parti pour 1 heure, 1 h 10 de cuisson à 180 degrés. Voilà, tranquille. Donc, on n'a plus qu'à enfourner cette petite bestiole et à faire péter les watts. Hop, donc 180 degrés. Voilà. Et on se donne rendez-vous dans 1 heure. Ça va être bon, les amis. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Allez, bon appétit à vous. Moi, je vais aller déguster ma petite quiche. Et ouais, les amis. Donc, regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est bip. Voilà. Petit rôti fourré au foie gras. Voilà, c'est magnifique. Et ici, donc c'est des petites pommes de terre, tout simplement avec des oignons. On va se régaler. Et le petit dessert, voilà, c'est rien de spécial là pour aujourd'hui. Ce sera des petites danettes, donc mousse au chocolat, danettes. C'est bon. Allez les amis, je vous laisse. Je vous souhaite encore un très 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 joyeux Noël. Et je vous dis à la prochaine. Nom de Dieu!